Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 7 et nous allons attaquer cette fois-ci le DLC, la fin de Zoé quelques semaines après Paero, donc après le DLC qu'on vient tout juste de finir, un nouveau danger fait son apparition. Joe Baker, le frère de Jack, doit faire face à ce danger avec ses poings et mettre un terme à la souffrance de sa famille. C'est donc la fin imaginée par les créateurs pour Zoé. C'est parti. Alors évidemment, comme d'habitude, je vous conseille fortement d'éteindre les lumières, fermer les volets, mettre un casque ou des écouteurs pour être un maximum plongé dans cette ambiance avec moi. Déposez un petit like, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire aussi évidemment pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on est parti, donc nouvelle partie évidemment en normal, c'est parti pour ce court DLC. Mais quel plaisir encore une fois de revenir dans cette aventure qui est celle de Resident Evil 7. J'ai dû en utiliser un. Il ne reste plus qu'un. C'est bon. C'était idiot, pour ça que je pourrais m'échapper. Je suis sûre que quelqu'un peut t'aider. C'est chez moi. Apparemment, ma place est ici. J'enverrai de l'aide. Pas la peine. Il n'y aura plus personne à secourir. Qu'est-ce que... On a quelqu'un ici. Hé, hey, je crois qu'elle était qu'est-ce dans le dossier. Qu'est-ce que vous foutez? Eh, hey, c'est bien elle. Zoé Baker. Elle respire encore. Il faut prévenir le QG. Vous avez dit Zoé? Monsieur, vous vivez ici? Mais qu'est-ce qu'elle a? Zoé! On vient vous aider, est-ce que... Bon sang, qu'est-ce que vous lui avez fait? Monsieur. Hé, hey, oh! Arrêtez, arrêtez! Oh, c'est pas vrai. Zoé! Oh bordel! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Écoute-moi. On est là pour vous aider. C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Dis-moi, depuis quand les secours débarquent avec des hélicoptères de combat? T'as aucune idée de ce qui se passe? Tu saisis pas? Tu penses que je sais pas qui vous êtes? Avec tous ces monstres qui rôdent dans le coin. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent? C'est pas ce que tu crois. Tu comprends pas? Ah, je comprends pas! Tu vois cette fille là-bas? Regarde! Ça, c'est la gamine de mon frère. Ma nièce, tu comprends? Elle est par ici! La famille, c'est quelque chose de sacré! Alors, je serai pas à ma famille! Il est hors de question que je vous laisse faire! Pour la dernière fois, elle est infectée! Elle va mourir, et nous aussi on va crever si on se tire pas d'ici tout de suite! Elle est pas encore morte, du con! Alors je te conseille de faire quelque chose pour elle. Avant que je te donne à bouffer à tes petits copains! C'est bon, c'est bon! Il y a un remède. Tu te fous de ma gueule! C'est la vérité! C'est la vérité! On était sur le point de lui amener le traitement! Avant que tu viennes tout foutre en l'air! Ils nous attendent sûrement encore à l'heure qu'il est! Où ça? Ah!
Ils l'ont mis dans une vieille cabane, pas très loin d'ici. C'est là-bas, je le jure. Quel plaisir en tout cas, encore une fois, de continuer cette aventure. Je tiens vraiment à remercier Capcom d'avoir fait ça. Alors certes, c'est des petits DLC, mais n'oublions pas qu'ils sont non seulement gratuits pour tous ceux qui possèdent le jeu Resident Evil 7, bien évidemment. Et en plus de cela, bah, on en apprend plus sur les personnages secondaires qu'on a pu croiser dans notre aventure principale. Et pour moi, c'est un véritable plaisir, c'est un véritable bonheur. Et ce Joe Baker est putain de stylé, putain merde! Merci, vous en avez fait une machine de guerre. Ça fait plaisir, on retrouve le Baker qu'on n'a pas pu connaître malheureusement parce qu'il était totalement dingue dès le début. Mais damn, ces personnages secondaires, ça fait plaisir de retrouver Zoé et de faire la découverte du frère de Baker, tout simplement. Allez, on est parti, on va commencer à lire. Ce que j'ai vu aujourd'hui n'avait rien d'un alligator. Je suis sorti vérifier les lignes et j'ai vu que j'avais attrapé quelque chose. Alors j'ai mouliné. Dieu seul sait ce que c'était cette chose couverte de boue avec ses griffes et ses énormes dents. Cette saloperie a tenté de me bouffer, alors je lui ai mis des droites dans la mâchoire avant qu'elle n'y parvienne. Je n'aurais jamais pensé voir ça de mes propres yeux. Encore un coup de ce putain de gouvernement qui mène ses expériences secrètes sur des êtres humains et des animaux. J'en mettrai ma main à couper. Ça explique aussi ces hélicoptères qui survolent le coin ces derniers temps. Alors c'est ça qui est assez ouf parce que là on incarne donc Joe Baker, le frère de Jack Baker évidemment. Et bon, c'est le Joe Baker, voilà, c'est le mec vraiment reculé dans sa toute petite cabane. Ça change de la famille Baker qui vit dans une grande maison. Et voilà, lui il est reculé dans un marécage, c'est bien stylé, c'est bien stylé, moi je kiffe bien tu vois. C'est le mec un peu beauf, tu vois, mais le mec un peu beauf, attachant, qu'on apprécie. Et comme il dit, la famille, c'est tous, c'est sacré. C'est sacré, c'est tout ce qu'il a et c'est très important. Bref, on a le manuel de survie de Joe, sachez-le. Et en arme, j'ai mes points. J'ai mes points et on a un produit chimique. Allez, ok, si j'équipe mes points, ça fait quoi? Oh, ok, donc je pense que clairement, on va se battre avec ses points. Ah, d'accord, on peut mettre des gauches et des droites. Oh, c'est quoi ce délire? Ok, d'accord. Ok, attendez. Faites un combo en enchaînement et coup de poing dans cet ordre. Ok. D'accord. Normalement, c'est bon. Très, très bien. Normalement, c'est bon, hein. Ah, d'accord, là j'ai bien réussi le combo, très bien. Les points sur les i. Oh, petit jeu de mots, on apprécie. Donc, attendez. Ok, je vais essayer de le refaire. Ah, c'est plutôt efficace. Qu'est-ce qu'on a là? Qui est là? Qui est là? Il y a quelque chose par ici. Très bien. Rien d'alarmant, les amis. Rien d'alarmant. On peut continuer. Qu'est-ce qu'on a là? Un verre. Appuyez sur triangle pour ouvrir l'inventaire, puis R1 pour voir les combinaisons possibles. D'accord. Ça plus produit chimique, je fais un soin. Très bien. Ok, on a pu réussir à créer un soin et en plus les soins. Ok. Les soins à l'ancienne. Ouais, je m'entraîne un petit peu, les gars. Ok, ok. J'ai un centipède. Un petit insecte, donc. Un rampant. Oh. Espèce d'étron ambulant. Je peux tous vous prendre à main nue. Oh. Ah, d'accord. Ouais, donc on va se la jouer vraiment brute. Ça, c'est bon, ça. D'accord. Donc, les monstres, ça se passe quelques semaines après. Il sait pas du tout ce qui est arrivé à la famille Baker. Il sait pas que tout le monde est mort. Oh là 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 là. Je sais pas s'il va savoir ça à la fin du DLC. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir sa réaction. Ok. Un au moins encore une fois. Oh bah ça va être un truc méga bourrin. Où on va mettre des patates à tir la rigole là-dedans. Voilà. Attends, je cours mes grands morts. Il y a quelqu'un derrière encore. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur. Bam.
Allez, ça dégage. C'est énorme. C'est jouissif. Ok. Quoi? Allez, gros, le gars, ça va. Monsieur, faut mourir, hein. Là, faut arrêter les conneries. On n'est pas là pour déconner, ici, hein. Ok, ok, ok. On peut continuer. Démolir. Bah oui. Évidemment, les gars. Évidemment. Ah. Ah. Ok. Très bien. Ok, encore des produits chimiques. On a une poupée boxeur. Qu'est-ce que c'est? Collectionnez les poupées pour améliorer votre force d'attaque. Sérieux? Trop bien. Ok, hein. Je fais attention à moi derrière, les gars. Mec, c'est énorme. Il a plein de petites cabanes en plus. Oh là, mais il rigole zéro. D'accord. Il y a tellement de possibilités. Bon, je pense pas, hein. C'est un petit DLC. Ils ont pas dû pousser le truc bien loin. Mais là, la survie dans les marécages, il y a du boulot. Oh. Ok. Joe Baker, il s'en bat les couilles. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai un remède. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, peu. Quelle horreur! Ça va partir en couille. Bam! Allez, ça dégage. Et on l'écrase. Je sais pas s'il y a des moments où il va falloir run. Un petit peu comme avec Chris. Des moments de pression. Ça a l'air tellement bourrin. Ah! Oh putain! Oh putain, je sais plus ce que je fais. Mais je tabasse. Allez, un au moins. Il m'a fait tellement peur. Eh, je m'y attendais, les gars. Vraiment. Waouh. C'est bon, il n'y a plus personne à écraser. Je m'y attendais tellement. Mais j'ai eu le petit coup de pute, les gars. Ça arrive. Ok. Doucement, messieurs, s'il vous plaît. Vous savez ce qu'on dit doucement, mais... sûrement. Ok, on peut continuer. Oh. Attendez. J'aimerais bien cette fois-ci trouver toutes les poupées. Ça pourrait être cool, les gars. Ça pourrait être sympa. Ok, on va voir de nouvelles choses. Le remède, les gars. Le remède n'est pas la seule solution. Quoi? C'est en feu. Non. Non, non, non. Ok. Bon, on y va, les gars. Sorry. Attendez, il n'y a rien là-bas. Attends, je peux mourir, je peux mourir, je peux mourir. Tiens, bon, vous saurez. Merde, pourquoi ça marche pas? C'était pas plein, c'est ça? Ça suffira pas. Il va te falloir une dose entière pour la guérir complètement. On en a encore à la base. Détache-moi et je t'y amènerai. Allez! Quelle base? Waouh! Ok, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, malheureusement. Zoé, ça va? Waouh! Oh mec! Merde! Faut que je sorte Zoé d'ici. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Zoé, j'arrive! Oh. Ah oh non! On peut pas rester là. Ok, le marécage, ça l'a rendu un peu dingo, le gars là, hein? Ok, be careful! On va y aller calmement. Ah oui, d'accord. Évidemment, je ne traverse pas les flammes. Ce serait trop beau. Attends, vraiment, on doit aller dans l'eau là? J'ai l'impression d'être dans une saleté de film d'horreur. Oh. Y'a pas de poupée, y'a rien. Très bien. On se casse en barque. Ou je... Aucune fucking idée. Ce serait énorme si c'était à moi de conduire, par exemple. Je sais pas du tout. Ok. Tout va bien, Zoé. Ok, c'était trop beau. C'est pas à moi de conduire, malheureusement. Quelle journée de merde. Ok.
Le soldat a dit que les Médocs étaient dans une sorte de base. Et depuis quand est-ce qu'il y a un mur ici? Ok, c'est intéressant ça. On dirait que quelqu'un a laissé les lumières allumées. Allons voir ça. Les gars, le mur pour isoler le virus, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas Raccoon City par hasard? Un mur géant pour empêcher le virus de se propager alors qu'il est déjà finalement propagé. Je pense que clairement, c'est Umbrella, Neo Umbrella qui a mis ce mur en place. Ils veulent que personne ne sorte d'ici. T'en fais pas, Zoé. On y est presque. Ok, on va amener Zoé, les gars, au point prochain, où elle peut se reposer, tout simplement. Et où on va pouvoir continuer à faire la bagarre! Et arracher tout le monde à coups de poing. Très bien, c'est toujours par ici. Attends, Zoé. Alors, Zoé, si ça te gêne pas... Ouah! Putain, bien joué. Allez, pas maintenant, l'alligator. J'y vais, hein. J'y vais, je m'en bats les couilles. Allez, poupée boxeur. Il va me tuer, là, non? J'aurais peut-être dû poser Zoé autre part. Il est là. Ok, je me casse. Ok, d'accord, j'ai compris le délire. Tu seras en sécurité ici. J'ai compris le délire. Allez, je te dépose ici. Il y a une nouvelle barque. Faudra bouger encore une fois, à mon avis. Je vais revenir avec quelque chose qui va te requinquer. Très bien. Elle est un petit peu soignée quand même. J'ai l'impression qu'elle a retrouvé de ses couleurs, notre chère Zoé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, on a une barque ici. Je pense qu'il faudra partir. Donc, à mon avis, ce DLC, il se fait par étape. Étape par étape. Et on va devoir trimballer à chaque fois Zoé jusqu'au final. Final, évidemment, que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas. Je suis désolé de vous apprendre ça, les amis. Mais on va sauvegarder et on va tout simplement s'arrêter là. Alors là, je vous vois déjà crier. Mais Mr. B-Boy, mais je ne comprends pas. Ça fait que 20 minutes. C'est terrible ce que tu nous fais. Et vous avez raison. C'est terrible. Mais si je veux que cette vidéo soit rendue et regardée à temps... Je n'ai pas le choix, on doit s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que ce début de DLC vous a donné faim. Suite très 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 bientôt. Je ne vous trahirai pas dessus. Ne vous en faites pas dans 2 jours maximum. Et n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Encore une fois, désolé, essayez de comprendre que là c'est les fêtes. C'est les fêtes et j'ai beaucoup de choses à faire. Énormément de choses à faire. Et voilà, si je veux que ça soit en 1080, 60 fps avec une qualité irréprochable, ça fait que 20 minutes, mais la plupart des vidéos sur YouTube de toute façon font pile poil 10 minutes. Allez, à très bientôt tout le monde, je vous fais des bisous, ciao ciao.